À la une de cette édition, une nouvelle attaque à la voiture Bélier contre un distributeur automatique de billets. Les faits sont survenus cet après-midi aux alentours de 13h à Villeneuve-d'Ascq. La voiture s'est enflammée, la façade de la banque a été abîmée comme on peut le voir sur ces images. Les occupants au nombre de 3 ont pris la fuite dans un autre véhicule, le tout sans butin. Jimmy Houchon était sur place, il a rencontré des témoins de la scène, on les écoute. Parce que j'ai entendu un boom. Et puis, donc après, j'ai vu un monsieur cagoulé et puis qui m'a, comment on appelle ça, avec, pointé avec leur fusil, alors je ne sais pas comment on appelle ça. Et puis, donc, je me suis sauvée parce qu'ils m'ont dit « filez, partez », donc je me suis sauvée. Bah, voilà. On a vu 3 voleurs qui sortaient et ils sont... Ils ont pris une sacoche. Oui, ils ont pris une sacoche et ils ont fait exploser une voiture.